Salut, salut, ici le leader Rostan, auto-entrepreneur ouais, depuis le Cameroun. Voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui depuis la région du Ndé, depuis le Ndé, je suis dans le Ndé, la région de l'Ouest. Voilà, autant pour moi, la région de l'Ouest, dans le Ndé, précisément. Et je suis toujours à Bazou, je suis quelque part à Bazou, c'est juste après Baganté. Voilà, je suis hormis ceux qui me connaissent, voilà, hormis mes investissements en ligne, voilà, je suis doué dans les travaux de maçonnerie. Voilà, c'est pas là, en tout cas, c'est où je tire mes revenus passifs. Ok, c'est mon quotidien, mes chantiers. Donc, je suis là-bas pour la construction, en tout cas, d'un logement, quoi. Voilà, c'est une élite. Et puis, nous sommes là-bas pour les travaux. Donc, je suis un peu en train de faire. Les 100 pas là. Je suis un peu fait 100 pas. Voilà, j'ai trouvé bon. En tout cas, j'ai pris le bain et puis j'ai dit, bon, voilà, faille que je vous parle ce soir. Voilà. Déjà, l'objectif de cette vidéo, en tout cas, c'est pour vous donner les raisons pour lesquelles j'ai investi à Liep Liman. Je sais pas si tu as entendu parler de Liep Liman. Ok? Je sais pas si tu as entendu parler de Liep Liman. Mais sinon, laisse-moi te dire. Liep Liman, on va un peu changer ce soir. Je vais faire l'effort que la vidéo ne soit pas très longue. Et avant de commencer, déjà, je te prie de bien vouloir t'abonner. Abonne-toi déjà pour découvrir l'artiste. Abonne-toi et active la cloche de notification également pour rester notifié de mes nouvelles publications. Entrepreneur numérique 237, la chaîne des opportunités, la chaîne du bonheur. Voilà. Liep Liman, cette compagnie-là. En tout cas, c'est connu sur le GTI, Liep Liman, qui est inclus dans GTI, Global Investment Trading. Elle est donc axée sur le trading d'investissement en crypto-monnaie. Maintenant, ce n'est pas tout. Je ne sais pas si tu es dans le site d'investissement depuis, mais laisse-moi te dire que Liep Liman est un concept vraiment très, très différent. C'est un concept à part entière. Voilà, beaucoup de ces business, peut-être tu as perdu beaucoup d'argent. Voilà, aujourd'hui, tu es découragé, tu as perdu la foi parce que tu as dit, ah, tous ces trucs, ce sont des bandits, ce sont des escrocs, ce sont des arnaqueurs. Voilà, si tu es dans cette optique-là, cher ami, laisse-moi te dire que je t'apporte la solution. Ok, je t'apporte la solution. Tu n'as qu'à croire ou à ne pas croire, mais je t'assure que je t'apporte la solution ce soir en te formant de Liep Liman. Dans la barre d'inscription, je vais laisser le lien d'inscription, je vais laisser le lien du groupe WhatsApp. Pour rester informé, en tout cas se faire coacher, rester au courant de toute l'actualité sur le business plan, bien comprendre, bien assimiler la chose et comment les gains se passent et autres. Voilà. Pourquoi moi j'ai investi à Liep Liman? Déjà j'ai investi à Liep Liman parce que c'est un business qui est ancien. Liep Liman a commencé depuis 2017. 2017, nous sommes en 2021, ça fait 4 années déjà. Je ne sais pas si tu es doué dans la finance, mais en tout cas moi on m'a appris à l'école que dans la finance, qu'une compagnie ou une société qui a déjà 5 ans d'existence, ok, 5 ans, qui fait 5 ans propre, voilà, et ne ferme pas, elle a 90% de chances de ne plus fermer, soit de faire encore 10 années. Maintenant, faire 10 années, si elle a fait 5 années et n'a pas fermé, il y a donc de fortes chances que pendant les 10 années qu'elle aura à faire, elle pourra croître davantage, sauf si, ok, il y a des intempéries, sauf si il y a des aléas qui vont retenir ou alors poser frein à sa croissance. Sinon, après avoir fait 5 années d'existence, il y a plus de chances qu'elle puisse continuer aussi longtemps que possible. Voilà, parce que en temps normal, la durée de vie d'une compagnie, si on dit que la chose a duré, c'est 90 ans. Après 90 ans, normal, il faut reprendre le système. Il faut rechanger toute l'administration, tout le staff en tout cas. Voilà. Si ça fait 10 ans, c'est déjà vieux. Voilà. Parce qu'on passe déjà, c'est près d'un siècle. OK? Voilà. Donc, voilà un peu sur quel angle on voit Liep Liman. Je t'explique donc. Parce que déjà, comme je t'ai dit, Liep Liman, c'est 4 années d'existence. Liep Liman a un CEO vraiment pas comme les autres. Dans beaucoup de business, on nous a dit, voilà, le CEO c'est X, le CEO c'est Y. On organisait il faisait des conférences Zoom. On dit, voilà, le CEO sera là. On peut le voir, tout le monde peut le voir et tout ça. Mais en réalité, ces blancs-là, en tout cas, qui nous miroitaient avec leur business, la plupart de ces CEO chez eux, c'était juste des acteurs. Donc, on a pris un acteur là et puis on le place devant pour miroiter le business et puis on vous fait croire que
Voilà, c'est lui le CEO, c'est lui qui est caché derrière le business et autres. Maintenant, vous vous faites prendre au piège, vous développez. Les gars construisent derrière un système Ponzi pour vous encourager ou nous encourager à ramener nos frais dans la plateforme pour après disparaître avec notre argent. Voilà, alors je te dis donc que le CEO de Liebliman, Emile Bafestim, que je fais, je rends honneur, je lui fais un coucou, tous mes respects, ce monsieur. Il est juste je pense c'est la trentaine, je ne sais pas s'il a 30, 40 ans. En tout cas, c'est un jeune Camerounais passionné par le numérique, passionné par les crypto-monnaies. Et c'est comme ça qu'il a commencé son projet en 2017. Et avec beaucoup d'efforts, trop d'engagement, de dévouement, le gars tient la route jusqu'à ce jour. Voilà, donc Emile Parfait, il est Camerounais d'origine 100% africain. Son souci aujourd'hui est de créer une communauté de multimillionnaires en crypto-monnaie. Donc lui, il est visible, on peut le voir partout. Il ne se cache pas, il s'expose. Tout le monde peut la voir, même au téléphone, tu peux le contacter. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas facile d'atteindre un président, mais je t'assure que tu peux avoir les moyens nécessaires pour l'atteindre. Voilà, encore qu'il est ouvert. Voilà, il est très ouvert. Il fait des réunions en présentiel. Voilà, donc tu échanges tête à tête avec lui là. Donc, c'est pas les trucs de Zoom là. tu peux échanger avec lui. Donc, voilà un peu une autre astuce. Et je fais également lié plus mal parce que quoi? Les plus mal aujourd'hui, ce n'est pas seulement un business qui est endossé dans la trading de crypto-monnaie, non. Les plus mal aujourd'hui, c'est 11, je pense que c'est 11 à 13 compagnies regroupées, ok, différents secteurs d'activité. Les plus mal possèdent aujourd'hui un aéroport, une académie de trading de crypto-monnaie. Si tu veux te former en crypto, là, voilà, il y a Sim Academy, tu peux aller là-bas prendre. La pension est un peu élevée, mais parce que tu vas recevoir une formation de qualité. Il y a Sim Airline, il y a Sim City. L'IEP est axé aujourd'hui dans l'investissement dans l'immobilier. On va dire, pour les autres business, on dit, bon, comment on gagne de l'argent? Est-ce que c'est nos investissements, ils traitent simplement pour nous donner des intérêts? Point that is question. Mais laisse-moi te dire qu'à l'IEP, ton argent n'est pas seulement utilisé pour faire le trading. Mais ton argent également est utilisé pour l'investissement dans Sim Airline, sa compagnie aérienne, utilisé pour la réalisation de ses projets agro-pastoraux, utilisé également pour la réalisation de ses projets d'investissement en immobilier. Sim City aujourd'hui est développé ou alors bâti dans plusieurs pays en Afrique parce que lui, son vœu, c'est d'investir beaucoup plus en Afrique. Il veut vraiment changer les choses en Afrique. Il veut vraiment marquer l'histoire de l'Afrique. Et je pense que par la grâce de Dieu, il est sur les voies. Et si nous passons par notre soutien, on partage sa vision, on l'encourage dans cette vision, je pense que la chose sera faite. Et tous ensemble, on écrira l'histoire derrière ce monsieur-là. Voilà. Donc, voilà un peu les différents projets. En tout cas, la liste est énorme. Je t'ai cité juste quelques. Tu peux rejoindre le groupe WhatsApp pour en savoir un peu plus. Sinon, voilà un peu une petite feuille de route dans laquelle l'argent des investisseurs de Liebliman est utilisé. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, imagine donc que Liebliman prend ton argent pour construire, pour injecter dans l'immobilier. Tu sais aujourd'hui avec moi que l'immobilier, c'est une source de richesse interminable. Et vraiment, le type d'immobilier que le gars, lui, s'est lancé dedans, c'est pas pour les enfants. Voilà, tu ne vas pas trouver le loyer d'1 million là-bas chez lui. Non, 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 c'est petit. Ça veut dire que tu es encore jeune. Donc, si tu viens là-bas et puis tu veux chercher un appartement, 2 millions, en fait, tu ne peux pas louer chez lui, plus mal. Voilà, tu ne peux pas louer un loyer chez lui, c'est moins de 4 millions le mois. Voilà, tu comprends ça? 4 millions. Donc, ça fait que le gars, lui, il va toujours se faire de l'argent et toi-même, tu vas toujours te faire de l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te dire, j'ai investi à Liebliman parce que je ne vois pas de scam. Ok? Quand je parle de scam, si tu es amateur, en tout cas, mais si tu es ancien, c'est que tu sais ce que c'est qu'un scam. Maintenant, si tu es amateur, un scam, ça veut dire une fermeture. Je ne vois pas comment la compagnie peut fermer du tic au tac un matin. Ok? Parce que un projet d'immobilier, vraiment, ça ne se gâte pas. Ça va toujours rapporter de l'argent.
les personnes vont toujours louer. Toujours louer. Donc, tu vois, au moins, c'est l'existence. Tu peux projeter l'existence au moins sur 50 ans. Une compagnie aérienne, tu peux projeter l'existence au moins sur 50 ans. Ok, j'ai dit le minimum. Hein. Donc, mon frère, j'ai investi à l'IBM parce que j'ai l'assurance. Je sais à quoi mon argent, je sais dans quoi mon argent est utilisé. Et je suis rassuré de ce qu'avec l'IBM, je peux construire l'avenir de mes enfants. Je suis rassuré de ce qu'en investissant à l'IBM, je peux faire mes intérêts composés sans crainte. Parce que tôt ou tard, la compagnie sera là. Quelle que soit la durée, la compagnie sera là. Donc voilà un peu un point fort. Voilà quelques points forts dans lesquels que j'ai regardé, j'ai étudié. Parce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, conseil quelle attitude adopter après qu'on a été victime du dernier scamage du mois de juin. Ok. J'avais dit pour investir encore dans une compagnie qui est de trading de crypto-monnaie, il faut bien faire des enquêtes. Il faut bien vous rassurer avant de vous lancer. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque zéro dans la vie. Oui. Mais cependant, est-ce que ça vaut la peine de placer de l'argent durement gagné n'importe où? Est-ce que ça vaut la peine de le confier à n'importe qui? Ouais, c'est de ça qu'il s'agit aussi. Parce que après tout, c'est un argent que tu as d'abord gagné durement. Maintenant, et puis tu veux l'investir pour qu'il te continue à te produire sous forme de revenus passifs. Donc, voilà pourquoi j'ai dit il faut vraiment, vraiment mettre l'accent sur la crédibilité avant de déposer son argent en ligne. Voilà. Voilà pourquoi moi quand j'ai décidé d'investir à l'IBM, c'est hier j'ai activé mon pack. Je l'ai fait parce que j'ai regardé et puis j'ai dit ça vaut la peine. Je vais prendre le pas. Je vais essayer de rattraper parce qu'imaginez 4 années, c'est pas choco. Ceux qui ont commencé avec lui, ceux qui ont vu la chose. Voilà, comme il a toujours constant de Dieu dit, il faut nous suivre pour comprendre. Donc mon frère, si je veux tout te détailler, la vidéo sera très longue. Je vais m'arrêter là. Si tu veux plus d'infos, dans la barre de description, je vais laisser le lien du groupe. Tu peux rejoindre le groupe WhatsApp. Je vais également laisser le lien d'inscription. Tu peux t'inscrire, rejoindre le groupe WhatsApp pour rester informé de toute l'actualité autour de ce business plan. Ensemble, frère, investis à l'IBM. N'aie pas honte d'imiter le bon exemple. Il faut investir sur nous pour comprendre. Et tu comprendras qu'on ne s'est pas trompé. Tu comprendras également que Dieu qui est Dieu et qui est bon, bon dans son amour, a donné la possibilité à tout un chacun de devenir quelqu'un sur cette terre. Il suffit juste de savoir saisir les opportunités, les bonnes opportunités surtout, à l'égard de l'IBM, à l'instar de l'IBM. Alors si tu as aimé la vidéo, si tu m'as suivi jusqu'ici, n'oublie pas de liker également pour permettre à YouTube d'étendre la vidéo, de montrer que Entrepreneur Numérique 237 propose de bonnes choses et que vous êtes fiers de l'écouter. Voilà, la suite au prochain numéro. Ici le leader Rostand, passez une excellente soirée et on se retrouve la prochaine fois. Ciao.